Psaume chapitre 119, nous lisons la parole du Seigneur. Psaume chapitre 119, nous lisons la parole de Dieu. Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel. Heureux ceux qui gardent ses préceptes, qui le cherchent de tout leur cœur, qui ne commettent point d'iniquité et qui marchent dans ses voies. Tu as prescrit tes ordonnances pour qu'on les observe avec soin. Puissent mes actions être bien réglées afin que je garde tes statuts. Alors je ne rougirai point à la vue de tes commandements, de tous tes commandements. Je te louerai dans la droiture de mon cœur en apprenant les lois de ta justice. Je veux garder tes statuts, ne m'abandonne pas entièrement. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après ta parole? Je te cherche de tout mon cœur, ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Béni sois-tu, ô Éternel, enseigne-moi tes statuts. De mes lèvres, j'énumère toutes les sentences de ta bouche. Je me réjouis en suivant tes préceptes, comme si je possédais tous les trésors. Je médite tes ordonnances, j'ai tes sentiers sous les yeux. Je fais mes délices de tes statuts, je n'oublie point ta parole. Amen. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, fais de moi ce que tu veux, Jésus, fais de moi.
tout notre cœur, notre Père Céleste, notre Dieu, te remercions vraiment pour ta bonté, ton amour et ta grâce et ta compassion encore à notre endroit pour ce soir, pour ces instants bénis. Seigneur, c'est ce que nous désirons vraiment, de vivre de moments encore puissamment comme ces moments que tu nous donnes, mon Sauveur béni. Seigneur, nous voulons vraiment avoir, comme ton fils l'a prié encore tout à l'heure dans son cœur, Seigneur, dans sa prière, Seigneur, te demandant que nos cœurs soient vraiment constamment touchés avec des larmes, Père Saint-Dieu, venant dans ta maison, réalisant combien, Seigneur, tu as toujours été bon pour nous, combien ta parole est toujours importante, combien tu es loué, c'est tellement merveilleux pour nos âmes, mon roi. Seigneur, tu as entendu la prière, puisses-tu nous aider à ce que réellement nous revenions comme au jour d'autrefois, ce que tu es dans ta parole. C'est premier amour, Seigneur, ces jours, nous avons seulement les désirs d'être qu'à toi, Seigneur, t'appartenir, toi, nous avons besoin de cela. Merci pour ces instants que tu nous donnes, mon béni, Père Saint-Dieu. Nous réalisons combien tu es toujours bon pour nous, parce que tu nous amènes vraiment à pouvoir tourner nos regards certainement vers toi, pour que nous tendons vraiment ce qui est parfait. C'est cela que nous désirons aussi, mon béni, Père Saint-Dieu. Aide-nous, par ces temps, ce sont des temps tellement mauvais. Mais nous te remercions parce que c'est glorieux pour nous, Père, où nous verrons ta venue encore dans ce temps où nous vivons. Seigneur, nous en sommes certains, mon Père. Béni soit ton Seigneur. Merci vraiment du fin fond de notre cœur, mon béni, Père Saint-Dieu, pour ta visitation encore ce soir. Combien nous voulons demeurer dans la prière. Oh Dieu, dans l'adoration, béni, patrimonion, avec des chants comme nous t'avons chanté ce soir, encore plus, encore davantage, mon roi. Nous te voulons vraiment présent, toujours présent. Dans nos réunions, Père Saint-Dieu, dans nos rassemblements, Seigneur, nous voulons cette visitation constante, mon Sauveur. Nous soupirons après cela, mon béni, Père Saint-Dieu. Nous nous souvenons, Père Tubissant, le temps passé, jour et nuit, nous étions là, chercher ta face à toi, béni, Père Saint-Dieu. En nous retrouvant ensemble, tu descendais, Seigneur. Oh, tant du soir, tu le fais toujours. Sois donc béni. Merci pour tout, Père Dieu. Réveille encore des dons, si tu as encore davantage, mon roi, que ton peuple puisse faire partie de ce que tu fais, Seigneur. Nous te désirons, Père. Sois béni, merci pour le psaume. Tu connais comment cela touche nos cœurs, mon roi. Oui, Père, aide-nous encore davantage, car nous t'avons aussi prié au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, en pensant à tous nos frères et sœurs aussi, Père Saint-Dieu, qui sont en connexion dans les lieux où ils se trouvent, mon roi. Te remercions aussi, Père, pour les prières que tu as exaucées. Seigneur, tu as guéri les malades, Père Tubissant, qui étaient des malades incurables, mon roi. Tu as guéri, tu as consolé le cœur, tu as entendu nos prières, mon béni, Père Saint-Dieu. Combien nous te disons merci. Merci vraiment de les faire, parce que cela nous fortifie encore davantage de savoir que Jésus-Christ, notre Seigneur, est vraiment vivant et que tu fais ce que tu as promis de faire, Seigneur. Merci pour ta bonté, ton amour. Sois béni, glorifié. Nous t'avons ainsi prié au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse richement, qu'il vous fortifie et vous soutienne. Vous pouvez vous asseoir. Oui, c'est ce que nous voulons, cet ancien évangile où le Seigneur, notre Dieu, vient nous visiter, parce que c'est cela la promesse qu'il nous a faite, et nous voulons nous y tenir encore davantage, afin qu'il trouve vraiment plaisir de pouvoir aussi nous visiter, aussi nous parler, pour que nous puissions comprendre et aussi savoir le temps dans lequel nous vivons, comment est-ce que le Seigneur attend de nous pour pouvoir y vivre, et aussi notre marche aussi avec lui. Nous avons ce désir profond, nous, en tant que peuple de Dieu, nous, en tant que fils et filles de Dieu, nous avons ce désir profond dans notre cœur, dans notre âme, que le Seigneur, notre Sauveur, puisse vraiment se révéler à nous. Nous voulons vraiment faire sa volonté parfaite. C'est une reconnaissance à notre endroit, et aussi, c'est aussi la joie de notre cœur de pouvoir vraiment n'accomplir que ce que lui, il veut. Et c'est pour ça que nous prions aussi pour qu'il nous travaille encore davantage, qu'il déracine en fait toute racine d'amertume et toutes ces choses qui empêchent réellement qu'il puisse avoir la prééminence dans chacun de nous, l'autorité effectivement. Oh, quel beau jour ça sera, ces jours-là, lorsque nous nous tiendrons devant sa face. Ces jours viendra certainement. Et ce n'est pas une illusion, mais c'est une réalité. C'est pour cela que nous nous préparons avec autant de sérieux,
parce que nous sommes convaincus qu'effectivement que ce jour viendra certainement. Et lui-même, il a fait la promesse qu'il va revenir. Donc nous n'attendons pas une prophétie de quelqu'un de ceci et là, nous attendons une promesse du Seigneur lui-même qui a fait cette promesse qu'effectivement que je reviendrai. C'est pour ça, cela nous encourage encore davantage et nous fortifie aussi parce que cela est ce qu'il a donc annoncé. Nous avons cette certitude par les Saintes Écritures. Nous allons prendre dans les Saintes Écritures rapidement dans le livre des Actes au chapitre 9, je pense que c'est cela. Actes au chapitre 9, nous lisons à partir du verset 1 qui nous dit « Cependant, Saul, donc oui, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, s'est rendu chez les souverains sacrificateurs. » Vous y êtes ? « Et lui demanda donc des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem, comme il était donc en chemin et qu'il approchait de Damas. Tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur dit « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te sera dur de regimber contre les aiguillons. » Et tremblant et saisi d'effroi, il dit « Seigneur, que veux-tu donc que je fasse ?» Et le Seigneur lui dit « Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » Les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits et ils entendaient la voix, mais ils ne voyaient personne. Donc Saul se releva de terre et quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien. Et on le prit par la main et on le conduisit donc à Damas. Il resta donc 3 jours sans voir et il ne mangea ni ne but. Or, il y avait donc à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, « Ananias, il répondit, « Mais voici, Seigneur. » Et le Seigneur lui dit, « Mais lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saül, Saul donc de Tarse, car il prie. Et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait la main afin qu'il recouvrât la vue. Ananias répondit, « Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tout le mal que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici de pouvoir de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant le roi et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Amen. Tendre Père et précieux Sauveur, nous voulons te dire encore merci, mon Seigneur Jésus. Oh, combien nous désirons tant que ce soit comme en ce temps-là où tu étais sur la terre, où tu marchais là-bas à Jérusalem, où ta parole à toi était prêchée, Seigneur, et tes disciples aussi conduits par toi, ont prêché ta parole à toi, bien-aimé Père Saint-Dieu, et toi, tu agissais encore davantage, mon roi. Nos cœurs veulent vraiment vivre des moments comme cela, Père. Nous t'attendons de tout notre cœur. Merci encore pour tout ce que tu fais, ce que tu feras. Nous t'invoquons, toi, les dieux vivants. Sois béni et sois glorifié. Nous t'avons ainsi prié. Au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Ce récit est très touchant. Effectivement aussi, ce que le Saint-Esprit nous montre par les Saintes Écritures. Parce que c'est ce que nous avons, c'est le Saint-Esprit, en fait, qui a eu à pouvoir utiliser donc des stylos qui sont des instruments des hommes, effectivement, de manière à ce que cela soit mis par écrit pour nous. C'est comme cela que vous pouvez, même quand on lit les évangiles, c'était vraiment plusieurs années après que le Seigneur soit mort et aussi ressuscité, effectivement, plusieurs années après cela, que les âmes ont été donc suscitées, effectivement, pour pouvoir mettre par écrit les évangiles que nous lisons. Alors, vous pouvez remarquer, effectivement, la précision
des événements et comment effectivement les choses nous ont été relatées et les tableaux nous ont été décrits d'une manière assez claire et précise et aussi comment chacun de ceux que le Saint-Esprit a eu à pouvoir utiliser et décrivait effectivement des événements qui, lorsque un homme intellectuel effectivement prend le temps de pouvoir lire et il les lit effectivement d'une manière intellectuelle, il va trouver des contradictions. Oui, bien sûr. Parce que dans la façon de ce que l'homme conçoit, l'homme intellectuel, donc l'homme tout à fait charnel, lorsque il va lire, effectivement, il trouvera beaucoup de choses qui sont un peu contradictoires ou un peu incohérentes, selon donc la pensée humaine et la logique, effectivement aussi, la manière dont les choses... C'est pour ça que beaucoup de ceux qui lisent les Saintes Écritures, bien qu'ils soient, disons, croyants, effectivement, ils sont parfois butés à des choses, effectivement, quand ils les lisent. C'est-à-dire qu'on comprend que les choses de Dieu, c'est pas facile de pouvoir réellement arriver à pouvoir les saisir, parce que les langages qu'on utilise, effectivement, c'est un langage spirituel et qui n'a rien à voir, effectivement, avec notre connaissance. Alors, nous devons comprendre ceci, effectivement, que chaque homme que Dieu a eu à pouvoir utiliser, effectivement, pour mettre par écrit, parce que c'était la volonté du Seigneur lui-même que les évangiles soient donc écrits, pour que cela nous parvienne aussi. C'est nécessaire parce que il fallait que ceux qui ont vécu cela. C'est pour ça que je pense dans le livre de Luc au chapitre 1, et c'est lui donc qui nous relate effectivement de cela. Je vais juste lire un peu l'écrit effectivement. Vous connaissez l'écriture, je vais seulement lire pour ceux aussi qui nous suivent parce que il faut que aussi ils aient aussi sur quoi se reposer dans les saintes écritures. Verset 1 de Luc au chapitre 1, il dit « Plusieurs ayant donc entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, suivant ce qui nous ont transmis, ceux qui étaient donc des témoins oculaires. » Donc c'était des gens qui étaient donc présents, donc qui ont eu à pouvoir vivre tous ces événements, effectivement. Aussi. Alors il dit, et dès le commencement, ils sont devenus donc de ministres de la parole. Il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses, depuis leur origine, de te les exposer par écrit d'une manière suivie et scientifique, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as donc reçus. C'est pour ça aussi que l'apôtre Paul, donc, qui était donc Saul, qui est devenu donc Paul, après avoir expérimenté ce dit, il dit plus loin dans les Saintes Écritures, je pense, dans 2 Timothée, quelque chose comme cela, au chapitre 3, il dit « Toute écriture est inspirée. » Donc, ça ne vient pas, effectivement, de l'imagination, de la conception de l'homme, effectivement. On dit « Mais toute écriture est inspirée donc par Dieu. » Donc, c'est pour ça qu'aussi que Pierre le dit aussi, l'apôtre dit dans une... Il dit, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes saints ont eu à pouvoir parler de la part de Dieu, ainsi donc de suite. Alors vous remarquerez que quand vous prenez Matthieu, quand vous prenez Marc, quand vous prenez Luc, vous prenez Jean, vous lisez effectivement les événements, vous trouvez qu'en fait que celui-ci, quand il raconte cet événement dans ce sens ici, ce n'est pas vraiment la même chose qu'effectivement dans le détail avec celui-là, effectivement, parce que si c'était la logique humaine, on répéterait quand même la même chose. Donc on prend Matthieu, il va répéter, et puis quand Luc prend, il répétera aussi la même chose. Ça, c'est la conception des hommes. C'est pour ça que les hommes intellectuels, en fait, ils sont confondus. Ils se disent, mais vous savez, vous avez la Bible, effectivement, mais la Bible se contredit. La Bible ne peut jamais se contredire. Il faut que vous soyez convaincus parce que s'il y a ces semblées, nous te faisons dire, c'est vrai parce que oui, ça peut être. Non, mon frère, c'est impossible et ne peut pas se contredire. Parce que quand vous regardez, frères et sœurs, parce qu'il y avait des prophètes, effectivement, en Israël, il faut prophétiser en Juda aussi. Mais regardez, chacun d'eux, quand il prophétisait, c'était exactement la même chose. Il disait, il ne se contredisait jamais, mais ils ne se sont jamais vus.
Et oui, bien sûr, les uns étaient par là, effectivement. Regardez bien les saintes écritures, frère. Jérémie ici, Esaïe là-bas, effectivement aussi, Élie ici. C'était toujours la parole de Dieu, mais dans l'ordre précis, et qui ne se contredisait pas. Pour quelle raison? Parce que l'auteur n'est pas l'homme. Oui, c'est pour ça qu'on dit toujours le Saint-Esprit. C'est important cela. Parce que l'être humain, et c'est important que nous comprenions ça, l'être humain est l'homme avec sa conception. Il réfléchit, il raisonne. Mais maintenant, quand il est saisi par le Seigneur pour une tâche, tout ce qui concerne le raisonnement de l'homme, c'est bloqué. On ne sait pas comment on fait comprendre. C'est vrai, c'est bloqué. Donc l'homme ne s'est pas injecté, en fait. C'est pour ça que ces hommes-là vous disent, mais ainsi parle l'Éternel. C'est-à-dire que Dieu s'est saisi de l'homme, effectivement, et toute sa connaissance, sa conscience n'est plus en place. C'est-à-dire que ça ne traverse pas, en fait. C'est bloqué. Alors c'est l'esprit maintenant qui prend le contrôle. Et cet esprit, en fait, Dieu est esprit, en fait. C'est Dieu qui parle. Alors, c'est comme cela que la parole de Dieu était donc donnée. Alors, regardez très bien aussi comment ce qui est merveilleux ici, dans ce que nous venons de lire, effectivement. Bon, donc, Saul est pris, effectivement, ici, tous ces... Il a été voir, effectivement, les principaux sacrificateurs, parce que ça les dérangeait, puisque, comme il l'a dit lui-même, hein, j'étais tellement zélé dans la tradition de ses pères. Mais c'est comme cela que les sacrificateurs, tout ça, ont eu à pouvoir les enseigner, effectivement. Eux, ils pensaient que c'était donc la parole de Dieu, mais alors qu'on a eu à pouvoir déjà twister depuis très longtemps, que ce n'était plus la parole de Dieu. C'est pour ça que nous devons tous comprendre, lorsque on injecte quelque chose dans la parole de Dieu, ce n'est plus la parole de Dieu. Ce n'est plus la parole de Dieu. C'est pour ça que pour notre survie, pour notre vie, on doit être exigeant. Parce qu'il s'agit de toi, ma soeur, de toi, mon frère, ta vie à toi. Alors, si tu veux vraiment vivre la vie de Dieu et que Dieu fasse quelque chose dans ta vie à toi, il faut que ça soit la chose de Dieu. C'est pour ça que je prie, je soupire et j'implore la grâce de Dieu. Mon frère et ma soeur, il faut que nous puissions avoir une expérience aussi puissante du baptême du Saint-Esprit. Chacun de vous, soeur, chacun de vous, mon frère, chacun de vous, jeune fille, jeune homme, comprenez cela et c'est très important. Il faut vraiment que vous puissiez expérimenter le baptême du Saint-Esprit. C'est bien de pouvoir écouter l'Évangile, d'être toujours heureux de pouvoir écouter, frère. Mais si vous ne l'avez pas, toutes ces choses que vous écoutez, ce ne sont pas pour vous. C'est pour ça qu'il ne faut pas se faire plaisir en soi-même, ceci, ou se sentir comme si une fleur qu'on doit prendre soin. Non! Soit comme une plante qui est à l'extérieur, qui comprenne soin ou pas, mais ça pousse. Ça a des racines, il dit, mais contre vent, la pluie vient, ceci réside toujours là. C'est comme cela que toi, tu dois, il te faut savoir que c'est nécessaire. Sœur, frère, tu sais pas comment on dit, mais vous avez, nous avons besoin de cela. Ne reste pas tranquille, tu dis, non, je viens, j'écoute, je me... Non, ce n'est pas suffisant. Parce que si tu es à l'extérieur, ce sont les calamités. Si Dieu permet, nous reviendrons dans ce que nous avons lu dimanche. S'il permet, effectivement, la marque. Nous devons comprendre ces choses. Elles sont nécessaires. Il nous faut parce que nous sommes dans les temps. Nous sommes dans un temps qui termine. Pas, nous revenons ici. Alors, voilà que lui a reçu, effectivement, des recommandations de souverain, donc, sacrificateur, parce que il s'est dit que, comme je suis avec les souverains sacrificateurs, tout cela, effectivement, tout ça, je me sens que je suis dans la chose de Dieu, en fait. Oh, eux-mêmes, déjà, les souverains sacrificateurs, tous ceux qui étaient là, comme vous savez, effectivement, les saintes écritures, les pharisiens, les saducéens, ils n'étaient pas des dieux. Ils pensaient servir Dieu. Parce que s'ils étaient des dieux, ils allaient reconnaître ce que Dieu était en train de pouvoir faire. Regardez ce qui est touchant aussi. Des hommes tout à fait simples, qu'on ignorait même si c'était des... Non. Mais parce que, quand on pouvait les regarder, on ne pouvait pas croire que c'était vraiment... C'était comme Siméon, par exemple.
Siméon, lorsque on a amené l'enfant, ça c'est le Saint-Esprit qui l'a saisi là où il était, parce que Siméon, il ne criait pas trop fort en haut, il ne parlait pas trop de Dieu, mais il savait ce que Dieu allait pouvoir faire, qu'il lui a dit effectivement, lui, la relation qu'il avait avec Dieu. Un homme comme ça, il ne crée jamais de problème aux gens. Vous voyez sa façon d'être effectivement en rapport avec les choses de Dieu, comme notre précieux frère l'a lu tout à l'heure. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En se dirigeant d'après. Et je serre ta parole dans mon cœur. Ça, c'est la chose qui est importante pour chacun de nous. S'il y a une chose qui doit être primordiale dans notre vie, vous savez, toutes ces choses, et mariage, et femme, mari, enfant, et tout ça, vous devez comprendre cela. Ce sont des choses parfois qui nous mettent obstacles sur le chemin. C'est bon! C'est bon! Et on pleure pour ça, mais en fait, ce sont des obstacles. L'apôtre Paul, il dit, moi, je vais quand même vous donner un conseil. Si vous étiez moi, parce que je sais que si vous entrez là-dedans, vous aurez des problèmes. Mais il faut qu'on entre quand même, parce qu'il faut quand même, le Seigneur a dit, soyez féconds, non? Mais il faut être équilibré. Les conseils qu'on nous donne. C'est-à-dire qu'en fait, qu'il ne dit pas qu'il ne faut pas, hein, mais il nous fait savoir effectivement que vous devez d'abord avoir la chose principale. Si vous n'avez pas ça, vous allez souffrir, parce que si simplement votre amour est dans les choses naturelles qu'on voit, ça fait beaucoup, je ne vais pas entrer dans le détail, tout ça, et après. Mais quand vous avez la chose principale, qu'est-ce que c'est que la chose principale? Nous l'avons eu. Tes préceptes sont mes conseillers. Il est heureux donc. J'aime beaucoup ces psaumes-là, quand on dit, quand vous l'aimez aussi. Hein. Il dit, puissent mes actions être bien réglées. Alors je ne rougirai point la vie des commandements. Donc c'est que, alors, nous gardons cela là, c'est que lui, il dit, bon, comme ils sont effectivement ainsi, vous voyez, alors il a pris des recommandations, et qu'est-ce qu'il faisait? Mais il poursuivait des gens qu'on traitait comme des chiens. Et bien sûr, ces personnes-là, effectivement, ce sont des personnes à pouvoir tuer. Vous avez vu ce qu'on a fait avec Étienne, non? La lapider. Parce qu'il ne restait pas attaché, effectivement, à nous, à notre façon de voir. Posez-nous la question, mais quelle était la chose sur laquelle ils étaient tellement assis, eux, et qui considérait que c'était vraiment la parole de Dieu, que c'était vraiment Dieu, effectivement, et qu'à cela nous accrochons, effectivement, parce que eux, ils ne sont pas accrochés à cela, ils sont dans une autre doctrine. C'est pour ça qu'on doit donc les poursuivre et les détruire. Nous avons lu avec vous, non? Posez-vous la question. Et qu'est-ce qu'ils avaient, en fait, de souveraineté pour laquelle ils disaient que nous avons dû ici? Ce qu'ils avaient, c'était toujours Moïse a... Oui. Mais c'était sur quoi? C'était sur ça. C'est pour ça qu'il dit, j'étais zélé, donc vous savez, pour les traditions de mes pères. La tradition était basée sur quoi? Mais c'était sur Moïse. Qu'est-ce qui les a dérangés, effectivement? Oui, d'accord. Ce qui les a dérangés, c'est parce qu'un homme est sorti. Il disait jamais, et s'il parlait, il dit, mais en vérité, je vous le dis. Non, c'était contradictoire. On dit, mais c'est pas possible. Parce que s'il est un prophète, il dira, et s'il parle l'Éternel. Mais lui, il dit, mais moi, je vous dis. Aussi approché, il dit, mais voici Moïse a dit, il n'a pas contredit Moïse. Mais il a simplement regardé, il dit, oui, vous l'avez dit. La chose est comme cela. Non, Jésus-Christ a créé la révolution, mon frère. Oui, je vous en supplie. Ce n'est pas une musique qu'on répète, mais c'est que nous puissions comprendre effectivement la réalité, l'importance aussi, la cause aussi, le problème, la raison pour laquelle la guerre a commencé.
Bien sûr. C'est cela parce qu'ils étaient tranquilles dans leur tradition, effectivement. C'est ça le problème. Or, dans les traditions dans lesquelles ils étaient, ils mouraient. Ils n'avaient pas la vie, mon frère. On nous dit que c'est dans Jean chapitre 1. Pour les lire. Jean, je crois que c'est ça. Jean chapitre 1, voilà. Merci. Verset 15, il dit. Jean 1, 15, il dit. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié, c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Merveilleux, non? Il vient après moi, mais il était avant moi. Et nous avons tous reçu, que Dieu te bénisse, ma bien-aimée. Nous avons tous reçu. Voyez-vous, c'est, les hommes de Dieu, ils ont un langage particulier. Nous avons tous reçu, effectivement, de sa plénitude et grâce pour grâce. Mais dans verset 17, il dit, car la loi a été donnée par Moïse. N'est-ce pas vrai? Et la grâce et la vérité sont venues par... Voilà la différence. C'est ça. Ils étaient toujours... Et si vous remarquez très bien, c'est cela que... qui joue aussi nos cœurs, la grâce que Dieu nous a ouvert les yeux pour que nous puissions voir. Regardez comment est-ce que l'Écriture nous fait part de cela. Et nous revenons dans Acte 9, dans le livre de Galates. Regardez très bien. Galates, merci Seigneur. Il nous dit quelque chose ici. Il nous dit. Voilà. Merci Seigneur. Voilà. Voilà. On va peut-être lire. Verset 18, peut-être, Galates 3, verset 18, quand même, lire un peu rapidement. Voilà. Ah. Car si l'héritage venait de la loi, il ne viendrait plus donc de la promesse. Or, c'est par la promesse que Dieu a fait à Abraham ce don de cette grâce, sa grâce. Pourquoi donc la loi? Elle a été donnée ensuite à cause de la transgression jusqu'à ce que vint la postérité, vous suivez, à qui la promesse avait été faite. Elle a été promulguée par des anges au moyen d'un médiateur. Or, le médiateur n'est pas médiateur d'un seul, tandis que Dieu est un seul. La loi est-elle donc contre les promesses de Dieu? Loin de là. S'il lui était donné une loi qui pût procurer la vie, donc dans la loi, il n'y avait pas de vie. Vous suivez? S'il lui était donné la loi qui pouvait procurer la vie, la justice viendrait donc réellement de la loi. Mais l'Écriture a tout enfermé sous le péché. Enfin que ce qui avait été promis fut donné par la foi en Jésus-Christ à qui? À ceux qui croient. Avant que la foi vînt, nous étions enfermés sous la garde de la loi en vue de la foi qui devait être révélée. Ainsi, la loi a été comme un pédagogue. Voilà ce que c'était là. Oui. Un pédagogue pour nous conduire à Christ. Mais eux, ils se sont donc accrochés à cela. C'est ça le problème, frères et sœurs, qu'ils ont eu, que les hommes ont eu, que nous avons aussi, effectivement, aussi, quand nous ne suivons pas les choses de Dieu. Vous ne pouvez pas comprendre réellement, même quand vous lisez la parole de Dieu, la pensée exacte de Dieu au sujet de la parole, s'il n'y a pas l'esprit. Parce que c'est pour ça qu'ils ont eu beaucoup de problèmes. Ils ont bâti effectivement sur la loi toute une fondation et puis ils ont érigé toute une structure effectivement avec tout ce qu'il en est effectivement dans ces temps-là. Parce qu'ils pensaient que la loi était une fin en soi.
Mais quand Dieu a donné la loi, il avait une pensée. Il savait pourquoi il avait donné. Mais s'ils étaient restés sous la conduite de l'Esprit de Dieu, ils allaient reconnaître effectivement celui qui était au milieu d'eux. Et puisque ils se sont simplement accrochés à la loi, voilà comment ils étaient donc aveuglés en fait. C'est cela le problème. C'est pour ça que l'homme qui donc a demandé donc de recommandations pour pouvoir partir là-bas, il est allé donc vers les souverains. Et ce sont ceux-là même qui ont crucifié le Seigneur. C'est eux qui ont eu à pouvoir l'amener jusque là aussi, qui l'ont rejeté en fait. Parce qu'on nous a dit, hein, il est venu chez les siens et les siens ne l'ont point reçu. Vous savez, comme je l'avais dit l'autre fois, c'était dimanche, j'ai dit, n'oubliez jamais ceci, malgré que vous êtes assis ici, il y a toujours deux esprits. Et l'influence des esprits n'est pas vers les arbres, ni les animaux, non, c'est vers les hommes. Donc aussi longtemps que toi tu vis, tu tiens, il y a toujours l'influence de l'esprit. Soit c'est l'esprit de Dieu qui t'influence, ou t'inspire, ou soit c'est l'esprit du malin. Oui, c'est ça. C'est parce qu'il y a ce qu'on appelle des esprits séducteurs. Et ces esprits séducteurs, effectivement, séduisent et vous conduisent, en fait, dans un esprit religieux, de la religion. C'est comme ça qu'il a pris. Donc. Alors, quand il a pris donc des résolutions, donc, il disait qu'il avait le pouvoir qui lui avait été donné, effectivement, par le souverain sacrificateur, effectivement, avec des lettres et des recommandations, c'est ce que Ananias a pouvoir déclarer tout à l'heure. Il est parti avec, effectivement, il dit, mais je vais ramasser tous ces ramassis-là. Et je vais... Parce que c'est bien écrit ici, hein, donc, dans Actes chapitre 9, si nous suivons très bien, c'est cela, oui, il dit, hein, voilà. Il dit, voilà. Hein, il dit... Cependant, Saul respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, vous entendez cela? S'est rendu chez les souverains sacrificateurs. Donc, il était hargneux, il avait la colère, effectivement. Il dit, mais ces gens, il faut vraiment complètement les détruire. Il dit, et lui demanda des lettres pour les synagogues, effectivement, de Damas, afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés donc à Jérusalem pour pouvoir arriver à pouvoir le faire la même sorte effectivement que qu'Étienne, enfin comme j'avais fait Étienne aussi effectivement aussi ce que c'est. Et alors il partait donc pour combattre les partisans. Mais alors la question on va savoir qu'est-ce que ceux-là qu'on appelle des partisans, c'est important, avait de particulier et de différent par rapport à la structure, en fait, de ceux qui étaient souverains. Vous connaissez souverain sacrificateur, non? Et c'était établi par la loi de Moïse, non? Vous connaissez, vous avez trouvé une impression, mon frère, en étant, effectivement, souverain sacrificateur, Aaron, souverain sacrificateur, les sacrificateurs, puis les parvis, les lieux saints, les lieux très saints, vous vous souvenez? C'est là. Même de la religion, et tous se référaient à cela, effectivement, aussi, ainsi de suite. Alors, qu'est-ce que eux, parce que tous ils étaient, d'abord, auparavant, on dit, mais qu'est-ce qu'il y avait des particularités, des différents, qui pouvaient donner la colère, effectivement, à ce même sacrificateur, à tous ceux qui étaient donc attachés donc à la religion juive, qui avaient toujours leur tradition, qu'est-ce qui était différent entre eux et ce qu'on appelle les partisans de la nouvelle doctrine. Les disciples, donc ce qui est écrit, hein. Vous avez lu avec moi, non? S'il se trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, parce que on l'a bien spécifié, il a bien dit, verset 1, hein. Cependant, Saul respirant contre encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur. Donc, ceux qu'on appelait donc, les partisans de nouvelle doctrine, effectivement, parce que ils avaient leur doctrine. Vous me suivez? Vous me suivez? Eux, donc,
les sacrificateurs, les temples, ceci et cela, avec les synagogues, ils avaient une doctrine. Sur les doctrines, vous connaissez les fondements. Vous connaissez vraiment quand vous dites doctrine, vous connaissez. Bon, pour bien éclairer encore davantage. Le Seigneur prend Pierre, Jacques, Marc, etc. Il est monté avec sur la montagne Transfiguration. Ça devient clair, hein? Et là, on voit qui est apparu là-bas, Élie et Moïse. C'était la face. Il y a celle-là qui dit, mais, oh, maître, maître, il quiche combien, il est tellement très bon d'être ici. Il y a toi, il y a Élie, il y a Moïse, et bien, bâtissons donc toi. Tant ici, restons ici. Vous suivez? Puis à lui, donc le coup, vous connaissez la suite. On se voit là-bas, hein? Partie, vous voyez, lesquels sont tous à ce côté-ci. Et Jésus était toujours là. Puis quand il la nuit est parti, parce que vous l'avez entendu la voix, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, qui s'est ajouté, il a dit, écoutez, écoutez. Alors Pierre et tout ça, il ne voyait rien. Il pensait que c'était peut-être Moïse qu'on a parlé. Question, parce qu'on a couvert trois. Parce qu'ils connaissaient, ils ont connu la puissance de Moïse à la mer rouge, de ceci, j'ai un pharaon, et c'est lui qui était là-bas, la Bible est faite, c'est écrit, c'est depuis la Genèse, c'est Moïse, non? Donc là, le fondement dit, mais si Dieu a parlé, écoutez-le, on ouvre les yeux, on voit Moïse, non? Il ouvre les yeux, il voit Jésus seul. Ah, Jésus d'amour, c'est merveilleux. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Alors ça bouleverse tout, en fait, dans un être humain. Parce qu'il vivait dans la tradition des choses. Pour nous, c'est comme ça. Pour nous, c'est comme ça. Il doit être comme ça, comme ça, comme ça. Donc, Moïse a dansé là. Et puis là, cet homme rentra en scène. C'est Jésus de Nazareth. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer le regard. Oh oui, c'est vrai, ma soeur. Non, c'est quand il passait, les gens n'étaient pas impressionnés. Mais quand le souverain sacrificateur passait avec ses draps, oulala, on disait que Dieu est ici. Mais c'est la vérité, frère. Dieu est ici, en fait, c'est dit que parce que ça, c'est ce que Moïse avait dit. Il est dans la structure de Moïse, donc Dieu est avec lui. Et celui-là, on ne sait même pas d'où il vient, Jésus de Nazareth. On ne sait pas d'où il vient. Et il regarde, effectivement. C'est-à-dire qu'effectivement, que là, on comprend qu'il dit, mais bon, voilà, que là, je disais, qu'est-ce que les partisans, les disciples, avaient faisait que les souverains sacrificateurs et tous ces juifs, effectivement aussi, les lévites et tout ça, trouvaient qu'effectivement que ça crée des problèmes par rapport à nous. Parce que si Saul prend des recommandations, des lettres pour aller les poursuivre, c'est qu'il était en accord avec eux. Donc ça veut dire que ces gens-là, c'était un problème. Alors qu'est-ce qu'ils avaient et qui était totalement différent par rapport à ce qu'eux, ils avaient? Ça, c'est une question à laquelle vous pouvez vous poser. Et nous sommes tous censés pouvoir avoir la réponse. C'est très instructif, en fait. Très instructif. Ces hommes-là, ils devaient avoir quelque chose à laquelle, effectivement, ils étaient tellement convaincus. Alors qu'ils avaient toute une structure de souverain sacrificateur, ils ont grandi, ils ont vécu dans cela, effectivement, qui était vraiment une religion dans laquelle ils étaient. Mais là, on a vu, parce que si on le poursuivait, on le tuait même pas. Regardez l'exemple d'Étienne, effectivement. Un homme qui était aussi comme eux. Et là, cet homme-là, effectivement, il reste tellement... Écoutez bien comment Étienne a eu à pouvoir parler son langage. On a compris qu'effectivement, non. Ces gens sont un danger. Pour qui? Ils vont peut-être rapidement rentrer, voir effectivement vite. Voilà. Oh.
lis un peu vite. Hein. La parole de Dieu, verset 7, non, acte 6, verset 7, je pense. Acte 6, verset 7. Vous vous souvenez de acte 6, hein? C'est quand c'est dans les diacres, non? Vous vous souvenez? Quand il y a eu... Est-ce que vous vous souvenez? Parce que le problème, c'est que quand je demande ce que vous vous souvenez, j'entends rien. J'ai comme l'impression que personne ne se souvient. Est-ce que vous vous souvenez? Bon, il y a deux ou trois personnes, pourtant le nombre ici. Est-ce que vous vous souvenez? Alors, j'ai comme l'impression que tout le monde... Mes frères et sœurs, si vous voulez, alors on va rester à 23h ici. Hein? Parce que si je dois maintenant revenir dans acte 6, vous savez acte 6 comment ça s'est passé. Bon, je lis un peu plus au début. Hein, verset 1. Hein. En ce temps-là, le nombre des disciples augmenta, les Héléniques faisaient murmurer contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait donc chaque jour. Le 12 convoquèrent. La multitude des disciples, effectivement, et dirent, il n'est pas convenable que nous laissions donc la parole de Dieu pour servir aux tables. Vous me suivez? Vous suivez? Bon, vous avez des problèmes à votre voix? Non, je ne sais pas. Vous êtes tellement si nombreux ici. Quand je pose la question, il n'y a que trois. Alors, je veux que tout un chacun de vous, quand je pose la question, qui est ici, c'est l'obéissance. Hein? Quand je pose la question, que vous répondiez, que je sache qu'effectivement, que tout le monde suit. Ou bien je comprends que vous ne suivez pas. Bon, alors, je relis encore. Les 12 convoquaient la multitude des disciples et dirent, il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir le table. Vous suivez? Amen. Ah! C'est ça! Nous sommes ensemble, non? Parce qu'il ne faut pas, c'est important. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous cet homme à qui l'on rende un beau témoignage et qui soit plein d'Esprit Saint et de sagesse et que nous chargerons de cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Cette proposition plut donc à toute l'assemblée. Ils élurent donc Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint. Et puis Philippe, Proscor, Nacon, Nacor, ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent donc les mains. Verset 7, maintenant, nous dit, la parole de Dieu se répand. Maintenant, vous voyez maintenant ce chapitre 6, non? La parole de Dieu, vous avez vu, non? Amen. Voilà, c'est ça. Ça fait que nous sommes ensemble. La parole de Dieu se répandait de plus en plus, le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem, et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la loi. Étienne, plein de grâce et de puissance, faisait donc de prodiges et de grands miracles parmi le peuple. Quelques membres de la synagogue dite de Affranchis, et celle de Cyrénée, et celle des Alexandrins, avec des Juifs et des Cilicies d'Asie, se mirent à discuter avec lui. Mais ils ne pouvaient résister à sa sagesse et à l'esprit par lequel il parlait. Alors ils subordonnèrent effectivement des hommes qui dirent, nous l'avons entendu proférer des paroles, écoutez très bien, hein, des paroles blasphématoires contre qui? Moïse. Et contre qui? Vous voyez effectivement les fondements. Hein, hein? Il faut que vous compreniez, frère, c'est ça. C'est l'esprit en fait du malin. Il dit, nous avons entendu, alors que les pauvres n'ont rien dit contre Moïse. C'est ça l'ébranlement de leur fondement. On touche. Parce qu'ils n'avaient rien à voir avec Dieu, mais comme Moïse était un homme de Dieu, il se référait à Moïse, effectivement, pour que le peuple ait vraiment foi en eux. Alors qu'ils n'étaient rien, ces gens. Amen. Des fils du malin, oui. C'est ça le problème. C'est la Bible, hein. Il ne faut pas dire que les frères, c'est la Bible qui les dit, il est clair aussi ici. Donc il dit. Alors il dit, et ils émurent le peuple, les anciens et les scribes, vous entendez bien, et se jetant sur lui, ils le saisirent et l'amenèrent au Sanhédrin. Pourquoi? À cause de Moïse. Ils produisirent des faux témoins. C'est ça que je vous disais, ce ne sont pas des fils de Dieu. Vous allez produire des faux témoins et vous allez faire des choses qui sont fausses. Mais ça, vous avez la semence du malin. C'est la semence du serpent. Mais quant à Moïse a dit, ils sont champions. Il faut que vos yeux s'ouvrent, mon frère, et ma soeur, que vous compreniez effectivement que
Cela n'a pas commencé ça aujourd'hui. Non, depuis. Et cet esprit n'est pas encore pas mort, n'est pas encore mis dans les gènes, vous savez, parce que alors il s'est transmis. Quoi. Ah, et comme c'est un mauvais esprit, qu'il a toujours sa même doctrine, il ne peut pas changer. Et c'est seulement une petite couverture qu'on fait, mais l'intérieur, c'est toujours le même. Il faut avoir l'Esprit de Dieu pour le voir. Pour comprendre qu'effectivement... Vous avez vu comment ils essayent de pouvoir attraper le peuple de Dieu? Ils mélangent contre Moïse et contre... Ah ouais. Ça passe bien! Oui, parce que oui. Il faut qu'on ajoute Dieu là-dedans pour que ça passe bien. Mais le problème principal, c'est Moïse. Parce que si vraiment ils aimaient Dieu, mais ils allaient comprendre que cet homme ici qui nous parle, il a été en présence de quelqu'un. C'est vous dire, c'est vrai. Mais c'est ce qui s'est passé effectivement le jour de la Pentecôte. Quand ils ont entendu, ils disent, comment est-ce qu'ils sont galiléens et nous parlent? Dans sa langue, on entend effectivement que moi, j'entends dans ma langue, effectivement. Donc, c'est dit qu'il parle de merveilles de Dieu. Vous avez remarqué la différence, effectivement, de la position? C'était pas la sémence du malin ces jours-là. Non. C'était les enfants de Dieu parce que Dieu a voulu que nous. C'est pour ça qu'il reçoit la parole du bon cœur. Ils n'ont pas combattu, effectivement. Pierre là-bas nous dit, non, frère. Référons-nous. Oui. Différence de sémence. La manière dont il est 21h08. La manière dont on reçoit la parole détermine effectivement ce que vous êtes dans la réaction que vous produisez après la parole. Si, vous savez, vous ne pouvez pas cacher ça. Parce que chaque sémence devra produire selon. Un oranger ne peut pas produire du citron. Quelqu'un qui peut faire, dit, moi j'ai produit des citrons. Non, des citrons, non, dit non. Ah ben quand il le goûte, il dit non, tu n'es pas du citron. Tu es de l'orange. C'est ça le problème. Et voilà que, comme je disais, pour que vous puissiez comprendre pourquoi le tuer. Alors ils ont produit de faux témoins, parce que ça, on fera ça de vous. Oui, verset 13, ils sont des faux témoins qui disent, ah, encore, mais vraiment, ils sont vraiment des diables. Comment toi, un être humain, tu vas aller dire des fausses choses à la personne, tu dis, oui, il a dit, tu sais bien qu'il n'a pas dit. Comment tu peux aller raconter, frère, c'est pas possible. Tu sais que la personne n'a pas dit ça, il a donné, oui, il a dit. C'est que quelque part, dit, ta nature à toi, elle est vraiment la nature du serpent. C'est pour ça que ça ne soit pas ainsi chez nous. Amen. Toujours parler du bien. Peu importe. Oh, que Dieu nous aide. Parce que d'une source, ne peut pas sortir de l'eau. Hein? L'eau douce, la mer. Chez toi, en tant que fils et fille de Dieu, toujours l'eau douce. Vous savez cela? Même si on veut rejeter de l'eau, non, toi, tu veux. C'est-à-dire que même si on parle du mal de toi, toi ne parle jamais du mal de la personne. Parce que vous n'avez pas la même chose. C'est lui qui te parle mal, qui dit des fausses choses à cause de toi. Ah, faut pas l'étrangler. Parce que tu n'as pas la nature. Toi, tu es comme Abel. Caïn l'étranglait, Abel ne faisait rien. Il dit, bah, tu m'étrangles, moi aussi, j'avais t'étrangler. Il n'a pas fait ça. Donc pourquoi vous savez cela? Pour quelle raison? Parce que c'est la vérité. Tu dis non, c'est vrai. Parce que tous ceux qui sont de Dieu sont comme des agneaux. Nous sommes comme des agneaux qu'on amène à la boucherie. Tu ne verras pas un agneau se débattre quand on va l'amener à la mort. J'ai vu ça moi-même. Mais une chèvre, tu vas sauter blessé parce que il va se débattre avec les cornes des bananes, puis toi-même. C'est là, mais l'agneau, non. Je l'ai vu, il donnait seulement les coups, on coupait, ça partait. C'est ça. Mes brebis, donc. Mes brebis entendons, donc. C'est là aussi que le Seigneur fait ici. Donc, ils dirent des choses fausses. On dira
faussement de vous toutes sortes de mal. Vous me suivez? Ah. Bon, il dit 21 11. Donc, et puis demain, les enfants vont à l'école ici et vous travaillez aussi les uns comme les autres. Vous sentez que c'est bon. Hein? Il dit qu'on fait baisser les rideaux si on oublie les temps. On dit, on peut même aller à la veillée. Jusque demain, veillée, on prie, on chante encore, le feu descend. Parce que nous sentons, hein. Voilà, c'est ça. Je l'ai vu, regarde ici, que tu es bien ici. Donc, il dit, alors il dit ici, ils émurent le peuple, fait émotion sur lui, saisir, il amenait au devant, etc. Il produit des faux témoins, verset 13. Qui dit, cet homme ne cesse de proférer de paroles, écoutez très bien, contre le lieu saint et contre la loi. Ah ben là, j'avais, ça c'est vraiment le nœud, le cœur. Hein. Les lieux que Dieu nous a donnés. Le temple, effectivement, notre temple. Et puis Moïse, rien pour aller. Donc la loi vient de Moïse, et puis il lit, écoutez très bien. Alors il dit, mais, car nous l'avons entendu dire. Écoutez très bien, Seigneur mon Dieu, ah, il a souffert notre sang. Que Jésus, c'est Nazaréen. Vous savez comment on a construit la côte de pierre. Que Jésus, c'est Nazaréen, détruira ces lieux et changera les coutumes que Moïse nous a données. Tout ça, j'essaie de vous montrer leur base, leur fondement, pour que vous puissiez comprendre quel est le problème qu'il y avait comme différence entre eux et les disciples qu'on appelle les partisans. Pourquoi ils ne pouvaient pas supporter ces hommes-là, effectivement, aussi. Parce qu'ils allaient changer nos coutumes. Et changera les coutumes que Moïse nous a donné. Toi, tu viens changer ce que Moïse a donné. Secret, c'est Nazaréen là, comme il appelle. Lorsqu'on l'a amené à la femme là, surprise en flagrant d'éditeur, et tout le monde était là. Et tout ce qui était de la loi, effectivement, les sacrificateurs, tout ça, le regardait pour montrer au peuple que c'est Jésus ici, il est contre la loi de Moïse, il est fou, il n'a rien de Dieu, effectivement. Il dit, nous l'avons coincé là. Nous l'avons amené la femme là devant. Bien sûr, c'est comme ça qu'ils ont fait. Et nous l'avons dit. Maintenant, toi, Rémi, tu sais que Moïse a dit. Moïse, nous avons même cité bien grandement qu'une femme comme ça, surprise en frère des débiteurs, ce que nous devons faire. Nous avons même les pierres ici pour montrer que nous croyons 100% à Moïse. Qu'on doit la lapider. C'est écrit. C'est la loi de Moïse. Et toi, maintenant, qu'est-ce que toi tu dis? Parce qu'il dit, il changera les coutumes de Moïse, avec ce que Moïse a donné. Hein? Ah, ben oui. Jésus de Nazareth, il a révolutionné les choses. C'est pour ça, ces véritables disciples sont un danger. Véritable. Mais un danger pour le monde. Ah Seigneur, le temps passe. Danger véritable pour les démons. Danger véritable pour Satan lui-même et son roi. Mais c'est vrai ça. Parce qu'ils sont une bombe, mon frère. Plus qu'une bombe d'ailleurs. Que Dieu nous aide. Changera que Moïse nous a donné. Ça, vous touchez Moïse, vous les touchez. Je ne sais pas si vous avez bien prêté attention à ce que nous disons. En fait, Dieu était en second lieu. J'avais l'accent. Toujours sous Moïse. Moïse. Mais Dieu n'apparaissait pas. S'il sort un peu Dieu, c'est pour vous faire avaler encore plus. Le problème, parce que vous avez bien entendu quand il disait dans le livre de Jean, chapitre 10, ils n'ont pas dit nous sommes les disciples de Dieu, nous sommes disciples des
Alors, maintenant au chapitre 7, vous comprenez bien. Alors, le souverain, c'est... Alors, pardon, je continue d'abord. Verset 15, il dit, mais tous ceux qui siégeaient au Sanhédrin ayant fixé les regards sur Étienne, quand on a fait ses regards sur lui, les regards, il dit, son visage leur apparut comme celui d'un... Ah ben oui. Pour quelle raison, mon frère? C'est là encore où le colère davantage, parce que dans cet homme-là, Étienne, il y avait quelque chose d'autre. Alors, je lis encore un peu, pour ça, on prie seulement pour partir. On ne saura pas rentrer dans le détail dans le chapitre 9 de Zactan. Mais c'est pour que vous puissiez d'abord voir, hein? Et pourquoi de ce qu'il est parti? Et qu'est-ce qu'il voulait chercher? Pourquoi il voulait les tuer? Excusez. Arrête. Chapitre 7, verset 1 dit, le souverain sacrificateur dit, les choses sont-elles ainsi? Étienne répondit, homme, frère et père, écoutez s'il vous plaît, le Dieu de gloire apparut à notre père Abraham. Voyez-vous, un enfant de Dieu, il retourne à l'écriture. Oui, toujours dans les saintes écritures. La parole de Dieu est vraiment un bouclier pour toi. Connaissons le Seigneur. Alors nous saurons comment marcher avec lui. Il dit, la gloire apparaît à notre père Abraham lorsqu'il était en Mésopotamie avant qu'il s'établit à Charan et lui dit, quitte ton pays et ta famille et va dans le pays que je te montrerai. Il sortit alors du pays des Chaldéens et s'établit en Charan. Dès là, après la mort de son père, Dieu, vous voyez la manière dont il reste dans les Écritures. C'est pour ramener cette congrégation pour pouvoir voir les choses qu'effectivement, un homme normal ne peut pas vous parler comme ça. Il a dit dans sa prière à notre précieux frère Christian, il dit, mais quand vous avez prié pour la sœur Véronique, il dit que le Seigneur a dit, mais quand vous allez à des tribunaux, on ne pouvait pas fabriquer des choses. Le Seigneur lui-même, ce que vous devez dire, et les Écritures sont vraies. Regardez comment Étienne a commencé à pouvoir déployer les choses, évidemment, montrer. Et ça, vous entendez qu'en fait, il prend les scènes et démontre effectivement d'une manière claire, progression par progression, afin que vous puissiez, si vous êtes enfant de Dieu, que vous êtes dans la confusion, vous sortez de la confusion. Alors il dit, après la mort de son père, Dieu le fit passer dans ce pays que vous habitez maintenant. Il ne lui donna aucune propriété en ce pays. Pas même de quoi poser les pieds. Mais il promit, alléluia, de lui en donner la possession et à sa postérité après lui, quoi qu'il n'ait point d'enfant. Vous vous souvenez encore? Dieu parla ainsi. Sa postérité séjournera dans un pays étranger. Ah, j'aime cet homme. Ça, c'est une prédication, mais c'est vrai. Il dit, sa postérité séjournera dans un pays étranger. On la réduira à la servitude. On la maltraitera pendant 400 ans. Il connaissait alors les Écritures. Ah, ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien que Dieu soit béni. Mais la nation à laquelle ils auront été asservis, il dit, c'est moi qui la jugerai, toutes les Écritures. C'est moi qui la jugerai, dit Dieu. Et après cela, ils sortiront et ils me serviront dans ce lieu-ci. Puis Dieu donna à Abraham l'alliance de la circoncision. Ainsi, Abraham ayant engendré Isaac, le circoncis le huitième jour. Isaac engendra et circoncis Jacob. Et Jacob, les 12 patriarches. Ah, quel beau. Tu sais, on aimerait tant s'asseoir là. Et écoutez, cela, ça faisait du bien dans le cœur. Il dit, alléluia, il dit, Seigneur, continue. Et les patriarches, jaloux de Joseph. Comment il a commencé? Les vendirent pour être amenés en Égypte. Mais Dieu fut avec lui. Et les délivra de toutes ses tribulations. Il lui donna de la sagesse. Et lui fit trouver grâce devant Pharaon, roi d'Égypte, qu'il établit gouverneur d'Égypte et de toute sa maison. Il survint une famine dans tous les pays d'Égypte. Alléluia.
Ah non, c'est extraordinaire ça. Il a aussi dit que non. Vous vous souvenez, non? La détresse était grande et nos pères ne trouvaient pas de quoi se nourrir. Et Jacob apprit qu'il y avait du blé en Égypte et lui envoya nos pères une première fois. Non, que c'est merveilleux. Gloire à Dieu. Il est dans les Écritures, mon frère, mais avec une précision. Il dit, mais Jacob a appris qu'il y avait du blanc dans les cités, envoyé à nos pères une seconde, une première fois. Et la seconde fois, Joseph fut reconnu par ses frères. Et Pharaon sut de quelle famille il était. Puis Joseph envoya chercher son père Jacob et toute sa famille composée de 75 personnes. Jacob descendit en Égypte, où il mourit ainsi que nos pères. Et il fut transformé, et il fut transporté, à Sichem, et déposé dans le sépulcre qu'Abraham avait donc acheté à prix d'argent des fils de mort près de Sichem, effectivement. Vous vous souvenez? Le temps s'approchait où devait s'accomplir la promesse que Dieu avait faite à Abraham. Et le peuple s'accrut et se multiplia en Égypte. Jusqu'à ce que parut un autre roi qui n'avait pas connu Joseph. Ce roi, usant d'artifice contre notre race, maltraita nos pères au point de leur faire exposer leurs enfants pour qu'ils ne vécussent pas. À cette époque naquit donc Moïse. C'est lui qui vous venez. Gloire à Dieu. Non, il avait la sagesse. Il avait la connaissance des choses de Dieu. Ça, c'est merveilleux, ça. Dieu est bon. Quand l'Esprit de Dieu saisit un homme, frère, c'est agréable. Vous sentez que la parole coule. Que Dieu nous aide. Oh, frères et sœurs, c'est tellement bon, c'est tellement long, que si nous restons, ce sera jusque demain. Mais que Dieu vous bénisse. Lève-nous. Notre Père et notre Dieu est... Nous voulons te dire vraiment un grand merci, mon Seigneur. Tu es le Dieu qui nous instruit. Tu es le Dieu qui nous accorde vraiment la grâce de voir être à toi, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Vois notre joie. C'est vrai, Seigneur, notre joie. Nous voulons vraiment revivre des temps merveilleux, Seigneur Jésus. Comme au jour d'autrefois, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Soutiens chacun de nos Père Saint-Dieu. Ramène-nous, Père Saint-Dieu, afin que nous vivions ces moments bénis, Père Saint-Dieu. Dans ta parole encore, dans notre aujourd'hui, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Nous ne voulons pas, Père Saint-Dieu, être des hommes froids, mais des hommes bouillants. Père Saint-Dieu, aimant que l'avantage me voit, aimant l'évangile, bien-aimé Père Saint-Dieu. Parce que tu as versé ton sang pour cet évangile, mon roi. Les disciples aussi, bénémoine Père Saint-Dieu, ils ont versé le sang pour cela, Père Saint-Dieu. Oui, mon bénémoine Père Saint-Dieu, nous avons cette soif encore davantage. Oh, gloire à Jésus-Christ, mon roi. Béni soit ton Seigneur. Oui, aide-nous, Père. Nous avons besoin de toi. Nous te supplions, mon bénémoine Seigneur. Oh Dieu, un réveil, Père Saint-Dieu. Une secousse, mon bénémoine Père Saint-Dieu. Oh Dieu, comme au jour d'autrefois, cet amour puissant pour toi, bénémoine Père Saint-Dieu. L'amour de ta parole à toi, bénémoine. Mais Père Tibissant, reconnaissant davantage ce que tu as, tu vas pouvoir accomplir, mon roi. Parce que nous sommes un peuple révolutionnaire, mon bénémoine Père Saint-Dieu. Nous sommes un peuple vraiment différent, mon roi. Oh Jésus, mon roi, nous avons ta vie en nous, bénémoine Père Saint-Dieu. Nous avons l'écriture vivifiée, vivante, mon bénémoine Père Saint-Dieu. Agissant encore puissamment dans ceux qui sont en toi, bénémoine Père Saint-Dieu. Béni soit ton nom, mon bénémoine Père Saint-Dieu. Gloire à toi encore pour ces instants. Garde ton peuple, mon sauveur, et soutiens-nous et merci pour ces instants que tu nous fais passer, mon roi. Et merci pour la grâce, merci pour la vérité, Seigneur. Oh Jésus, tu es vraiment très précieux, Seigneur. Nous accrochons à toi, nous vivrons que pour toi, nous mourrons que pour toi, mon Seigneur Dieu. Notre vie sur la terre. Et n'est que pour toi, mon Seigneur Jésus. Je prie pour ton peuple, mon roi. Je t'en supplie, mon Seigneur, que personne ne reste en arrière, mon bénémoine Père Saint-Dieu. Que chacun d'eux puisse avancer, mais avancer vraiment au son de la trompette, mon bénémoine Père Saint-Dieu, au rythme de l'évangile, mon bénémoine Père Saint-Dieu. Oh, pour qu'ils puissent posséder, oh, ce que toi, tu as fait comme promesse, mon roi. Comme tu l'as dit, qu'il ne vous manque aucun don dans l'attente où vous êtes la venue du Seigneur. Viens-nous en aide encore ce soir, mon roi. Combien c'est merveilleux, combien c'est glorieux, combien, ah, Père Tibissant, c'est réjouissant dans notre cœur, mon roi. Je te loue,
de tout mon cœur. Je t'exalterai de toute mon âme, mon roi. Viens nous en aide, mon bénévole Père Saint-Dieu. Béni soit ton Saint-Nom. La gloire, la louange et l'honneur, tout appartient. Béni sois-tu. Merci, Seigneur. Fortifie mon frère, fortifie ma soeur, malgré les faibles efforts qu'il fournit, bénévole Père Saint-Dieu, nos enfants, nos petits-enfants, Seigneur, qui sont là, qui écoutent ta parole à toi, mon bénévole Père Saint-Dieu, que ton Esprit Saint les saisisse encore, mon Seigneur, qu'ils vivent pour ta gloire, chacun de nos pères. Merci, merci pour ta bonté, merci pour ton amour, mon Seigneur. Viens nous en aider. Et secours-nous encore. Merci, merci. Que ton peuple soit fort. Que les lendemains soient vraiment aussi bénis, mon roi. Qu'ils soient forts au travail, à l'école, Père Saint-Dieu. Seigneur, qu'ils puissent vraiment davantage prier, Père Tout-Puissant, pour ce que toi tu nous as donné. C'est vrai, ils ont une connaissance qui vient que de toi, mon bénévole Père. Sois glorifié et sois béni. Nous te remercions, mon Seigneur. Gloire et honneur à toi. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous te remercions, Père Saint. Amen. Amen. Merci. Que Dieu vous bénisse. Mon grand moi, viens, s'il te plaît. Il ruisselle de sang. Vous connaissez, non? Oui, tu connais, non? Il sourit. Que Dieu te bénisse. Merci. Le premier à mourir pour le plan de l'Esprit fut Jean le Baptiste, mais il mourut en homme. Puis le Seigneur Jésus, ils l'ont crucifié. Excitant le volet.
I'm
notre Père et notre Dieu. Sois élevé, notre Seigneur. Merci parce que tu es le plus grand. Seigneur, avant Moïse, Seigneur, tu existais déjà, mon Sauveur. Le Saint-Esprit nous a été donné. Tu vois, Seigneur, mon Dieu, nos cœurs. Tu sais quand nous sommes assis et même quand nous sommes debout, quand nous nous couchons, Seigneur Jésus. Tu vois la profondeur de nos cœurs. Tu sais, Seigneur, mon Dieu, les pensées de l'homme, mon Dieu. Tu as conduit Étienne, mon Sauveur, dans sa prière, Seigneur, mon Dieu. Le Saint-Esprit est descendu. Seigneur, tu l'as conduit en toutes choses, au travers des saintes écritures. Tu as montré combien tu es bon, Seigneur. Tu as suscité des hommes, tu as suscité des hommes, mais tu es le plus grand, le nom le plus grand, le nom le plus glorieux, le nom le plus puissant, le nom de Jésus. Le Saint-Esprit est là. Seigneur, remplis-nous de toi. Seigneur, inonde-nous de ta présence. Que ta puissance nous envahisse. Nous voulons marcher avec toi, marcher comme les saints d'autrefois ont marché, notre Dieu. Baptise du Saint-Esprit, fais descendre, Seigneur, ta flamme. Que le feu du Saint-Esprit consume nos vies, Seigneur. Change-nous, Seigneur, transforme-nous. Aujourd'hui, c'est un jour de grâce. Seigneur, tu es là. Seigneur, ne passe pas outre ton chemin. Seigneur, visite ton peuple. Seigneur, tu es puissant. Seigneur, tu es présent. Tu es digne de louange, notre Dieu. Seigneur, si tu l'as fait hier avec Étienne, Seigneur, si tu l'as fait hier avec Pierre, mon Dieu, tu peux le faire aujourd'hui. Si tu l'as fait hier avec Paul, tu peux le faire avec moi, avec ma soeur, avec mon frère. Seigneur, ne nous oublie pas. En bénissant notre maître, Seigneur, souviens-toi de nous. Sois loué, notre Dieu. Sois glorifié, notre Seigneur. Bénis ton serviteur, notre pasteur. Oh, merci pour le Saint-Esprit qui était là, Seigneur mon Dieu, et qui est là encore, Seigneur. Nous conduisons dans ta présence. Oh, de fleuve d'eau vive coule de notre sein. Le Saint-Esprit, Seigneur, manifeste, Seigneur, ta grandeur, notre Dieu. Seigneur, remplis-nous de toi. Oh, rends-nous davantage sensibles. Nous voulons être sensibles à toi. Seigneur, nous voulons marcher avec toi et te conduire par l'Esprit de Dieu. C'est ce que nous désirons. La vie de Jésus se manifestant dans les fils de filles de Dieu. Gloire à toi, notre Dieu. Merci pour cette sainte convocation. Merci pour la réunion de ce soir. Seigneur, tu l'as conduit particulièrement. Tu es parfait dans ta façon de faire les choses. Ne nous laisse pas sortir de ce lieu tel que nous sommes venus. Nous voulons sortir avec un dépôt, avec quelque chose qui vient de toi. Le Saint-Esprit, scellant les cœurs, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, remplis-nous, Père. Alléluia, alléluia. Sois béni, notre Dieu. Merci, Seigneur Jésus. Oh, gloire à toi. Merci, tendre Père. Merci, Seigneur Jésus. C'est toi qui touches chacun. Tu es venu, homme de douleur, habitué à la souffrance. Seigneur, tu n'avais ni beauté, ni éclat pour attirer les regards. Mais Seigneur, partout où tu passais, tu as tiré comme un aimant tout ce qui était à toi. Il reconnaissait ta puissance, ta grandeur. Tu es vivant. Ainsi ce soir, nous reconnaissons que tu es là, Seigneur. Oh, touche cœur. Seigneur, transforme nos vies. Alléluia. Sois béni, mon roi. Oh, merci, Père. Un souffle nouveau, un vent nouveau. Merci, tu répands tes faveurs sur chacun de nous. Seigneur, sois béni, sois glorifié, sois exalté, notre Dieu. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia. Remplis-nous de toi, ô Père, comme des vases d'argile, Seigneur. Oh, Jésus-Christ, mon roi, déverse ta puissance sur chacun de nous, Seigneur. Brise réellement tout obstacle, toutes les chaînes, Seigneur. Oh, nous voulons, Seigneur, nous exposer à ta lumière, Seigneur. Oh, remplis-nous de ta présence. Bénis, éclaire-nous, Seigneur. Oh, conduis-nous, Seigneur. Fais briller ta lumière dans nos cœurs. Mais réellement, Seigneur, grave tes paroles dans nos cœurs. Un cœur nouveau, un esprit nouveau. Le Saint-Esprit de Dieu dans le cœur des rachetés. C'est ce que nous désirons, Seigneur. Oh, merci, Seigneur. Sois loué, Père. Sois exalté, notre Dieu. Merci, notre Seigneur. Fraîche rosée, descends sur nous. Remplis-nous, Seigneur. Oh oui, c'est ce que nous désirons.
Merci, notre Dieu. Gloire à toi. Agis, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci pour ces moments bénis en ta présence. Nous voulons sortir de cet endroit avec ton empreinte dans nos cœurs, Seigneur. Oh, que le lendemain soit réellement changé, Seigneur. D'expérience en expérience, de victoire en victoire, de gloire en gloire avec toi, notre Dieu. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci pour tout. Bénis ton peuple, Seigneur Jésus. Levons-nous, s'il vous plaît. Merci parce que tu le fais. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Je suis rosé, je suis rosé.